Folklore espagnol, c'est une fantaisie musicale qui prend comme point de départ l'Espagne et qui raconte une histoire d'une femme qui attend son amant. Et c'est une rêverie très française entre une parodie d'Espagne, une idée de l'amour et du temps. C'est comme une sorte de vaudeville français parodiant l'Espagne. Even though it's played in a comical way, but a very sensual, sexy opera. L'enfant et les sortilèges, c'est une pièce beaucoup plus riche parce qu'il y a beaucoup plus de personnages. C'est une autre rêverie, mais cette fois la rêverie d'un enfant qui, un enfant passage, et où chez lui tous les objets et les animaux du jardin et les plantes du jardin vont se révolter contre lui. In the dream, so many fantastic figures are coming out. This is the old chair. He begins to dance. The music is a jazz music, and it's also so lovely. And next is broken clock is coming out. Dun 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 dun. Very 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 aggressively. Les deux pièces sont très très différentes. Les deux univers sont vraiment très très différents, mais ce qui réunit les deux dans notre soirée, c'est le génie de Maurice Ravel et l'univers musical extrêmement riche, multiple, à la fois rêveur et poétique de Maurice Ravel.